السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Donc, en cette soirée du lundi 27 Boulqaïda, 1435 de l'Hijr, correspondant au 22 septembre 2014, dans le salon, et on va continuer, inshallah ta'ala, avec quelques fatawas de Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc, question numéro 12. Ensuite, c'est dommage aujourd'hui, je ne peux pas, c'est-à-dire, vous n'allez pas voir les versets et les hadiths affichés, parce que j'étais absent, donc je n'ai pas préparé. Voilà. Si maintenant quelqu'un a le livre, que je lis, et qu'il peut me précéder, c'est-à-dire aller copier les versets et les hadiths en français, ensuite faire copier-coller. Voilà. Ça, ce serait bien, inshallah ta'ala. Quels sont les fondements, selon vous, qui permettraient au monde islamique de connaître l'essor? Très important. Quels sont les fondements, selon vous, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui permettraient au monde islamique de connaître l'essor? Si c'était un frère musulman qui va répondre, la réponse serait claire. Il faut apprendre les sciences des koufars, il faut vivre avec les koufars, il faut imiter les koufars, ils sont éblouis par la civilisation des koufars. Si tu veux avancer, il faut suivre les koufars. Al-Muhim, le Cheikh dit, ce que je crois, c'est ce qui est stipulé dans un hadith authentique. Et c'est une réponse pour une question de ce genre et de nombreuses autres que l'on pose à l'heure actuelle. Donc, il s'agit de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِدْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابِ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. C'est un hadith que le Cheikh lui-même a authentifié. C'est-à-dire, si vous pratiquez la ina, si vous saisissez les queues des vaches, si vous faites de l'agriculture et vous délaissez le combat dans la voie d'Allah, alors Allah vous enverra une humiliation qui ne lèvera point de vous jusqu'à ce que vous retourniez à votre religion. Donc le hadith dit, si vous faites trois ou quatre choses, alors Allah, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous envoyer une humiliation qu'il ne lèvera point de vous jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous retourniez à votre religion. C'est-à-dire que si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lève de nous l'humiliation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on retourne à la religion. Ça veut dire aussi que si la personne s'éloigne de la religion, Allah ta'ala lui donne une humiliation, il l'humilie et la vide, jusqu'à ce qu'il revienne vers sa religion. Le Cheikh dit, l'essentiel est de revenir vers l'islam. Voilà, comme a dit le hadith lui-même. Ce même ordre a été donné par l'imam de la terre de l'Égypte, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans un discours consigné que l'on devait retranscrire, comme on dit, en lettres d'or. Qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Malik, rahimahullah? Il a dit, quiconque apporte une innovation en islam, qu'il considère comme bonne, alors ça veut dire qu'il prétend que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a trahi le message. Allahu Akbar. On devrait écrire ça, comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, en lettres d'or. Quiconque apporte une innovation en islam qu'il considère comme bonne,
prétend que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Il n'a pas terminé, il a dit, récitez si vous le souhaitez la parole d'Allah azzawajal, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. يوم أكملت لكم دينكم وتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ensuite, l'imam Malik rahimahullah n'a pas terminé, il a dit, ce qui n'était pas de la religion en ce temps-là ne sera pas de la religion aujourd'hui. Et les derniers de cette communauté ne connaîtront le bien que par ce qui était convenable pour les premiers. Cheikh rahimahullah dit, c'est cette dernière phrase qui est la réponse, c'est-à-dire la phrase de l'imam. Les derniers de cette communauté ne connaîtront le bien que par ce qui était convenable pour les premiers. Donc, deux ou trois phrases très célèbres dans ce qu'a dit ici l'imam Malik rahimahullah. Entre autres, celui qui apporte une innovation et qui croit qu'elle est bonne, ça veut dire qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message et ne nous a pas montré cette chose. Cette chose que tu viens d'inventer toi. Tu dis elle est bonne. Si elle était bonne, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi, a caché, c'est bon. Et toi, tu l'as su. Toi, tu as su. Et le prophète, sallam, ou bien il ne le savait pas, donc tu l'accuses de jahl, c'est un ignorant, sallallahu alayhi wa sallam, bi abi wa ummi huwa, ou bien tu l'accuses de trahison. Il sait, il n'a pas voulu montrer qu'elle était bonne. Elle est la première. Deuxième chose très importante, il a dit, ce qui n'était pas de la religion en ce temps-là ne sera pas de la religion. Naam. Ce qui n'était pas religion au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, c'est impossible qu'il soit de la religion aujourd'hui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est possible que quelqu'un ramène une chose maintenant qui n'était pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et va dire ça fait partie de la religion? Donc on revient toujours au même point, ça veut dire si ça fait partie, ou bien le prophète alayhi wa sallam, qui ne nous l'a pas montré, ne savait pas ça, donc on est plus savant que lui, et lui miskin. Il ignorait, ou bien ça veut dire qu'il savait, il nous a caché. Donc, phrase très importante, ce qui n'était pas de la religion en ce temps-là ne sera pas de la religion aujourd'hui. Et enfin, il a dit, en or, la dernière phrase, en or, il a dit, et les derniers de cette communauté ne connaîtront le bien que par ce qui était convenable pour les premiers. Non, ça marche ensemble. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, tout comme les Arabes de la Jahiliya ont connu le bien qu'après l'avènement de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à la révélation céleste, le bonheur sur terre et dans l'au-delà, le fondement sur lequel doit reposer la vie islamique heureuse aujourd'hui, c'est le retour au livre et à la sunna. Sauf que cela nécessite quelques détails en raison des nombreux groupes et partis islamiques qui existent de nos jours. Chaque groupe prétend avoir établi la voie qui permettra d'instaurer la société islamique et le pouvoir de l'islam. C'est vrai. Chaque groupe, parle avec n'importe quel groupe, il te dira c'est moi le vrai groupe et c'est moi qui vais instaurer la société islamique et le pouvoir de l'islam. Que ce soit les frères musulmans, que ce soit les tabliers, que ce soit les ahbèches, que ce soit n'importe qui. Il va te dire c'est nous le vrai groupe, et les autres, ils sont tous dans l'erreur. Le Cheikh dit, nous savons grâce au livre d'Allah Azza wa Jal et au hadith du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que le chemin permettant de concrétiser le bonheur est unique. Naam, chemin unique. Il faut donc préciser ce chemin afin que celui qui désire véritablement œuvrer dans l'intérêt du prêche islamique et de la communauté le suive. Ce chemin est celui qu'Allah Azza wa Jal a mentionné dans plus d'un verset du Saint-Coran. Lorsqu'il a dit, Allah Azza wa Jal, وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ 153. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Le Cheikh dit, le sentier qui mène à ce que tout musulman proclame aujourd'hui et que la plupart ignorent, est celui, le chemin, est celui qui est mentionné dans ce noble verset.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré quel était ce chemin. Donc dans le verset, en donnant un exemple remarquable qu'il a dessiné à ses compagnons. Qu'il a dessiné à ses compagnons sur le sol, sur lequel il avait l'habitude, alayhi sallam, de s'asseoir sans orgueil ni vanité. Vous avez remarqué cette phrase ? Sur le sol sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'asseoir sans orgueil ni vanité. C'est difficile là pour quelqu'un de nous de lui dire assois-toi à même le sol. C'est difficile. Il te dit il me faut une chaise, il me faut un divan, il me faut un fauteuil. Hein, maintenant j'ai honte, comment je vais m'asseoir par terre? Ça se fait pas. Mais le prophète alayhi wa sallam le faisait. Ensuite le shir dit un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dessina un trait rectiligne sur le sol. Il dessina à côté de celui-ci d'autres petits traits. Puis il récita le verset précédent qu'on vient de citer en passant le droit sur le trait rectiligne. Et voici mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Puis il désigna les traits à côté du trait rectiligne, les petits traits, en récitant la fin du noble verset. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Le cheikh dit, rahimahullah ta'ala, je crois que le chemin est unique, comme le proclame tout groupe ou tout individu de cette communauté, pour connaître le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Ensuite, il a dit, on ne trouve que cet unique chemin. De plus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a démontré le danger de s'écarter de la voie rectiligne, car il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, هذا صراط الله وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها الشيطان يدعو الناس إليه. Il a dit, voici le chemin d'Allah Azza wa Jal et ceux-ci sont les autres voies. À la tête de chaque voie se trouve un démon qui appelle les gens. Non. Chaque voie, donc chaque autre voie qui est autre que la voie rectiligne, c'est quoi? C'est la voie du shaitan. Le shir dit, les prêcheurs sont nombreux. Mais les prêcheurs de la vie sont ceux qui appellent les gens à suivre la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam, celle de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Notre Seigneur Azza wa Jal a insisté dans un autre verset du Saint-Coran sur ce qu'il a cité dans le verset précédent, outre l'explication du messager sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith précédent. Allah Ta'ala a dit « وَمَنْ يُشَيْرَ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا الْهُدَى » Et quiconque fait scission d'avec le messager sallallahu alayhi wa sallam après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. An-Nisa 115. Dans le Coran, le sentier est toujours cité singulier. Il n'y a pas plusieurs sentiers à suivre. Combien même ceux qui empruntent ces voies ont des buts et intentions louables. Même si on suppose cela de leur part, ils n'atteindront jamais leur objectif tant qu'ils n'empruntent pas la voie unique et droite qui les conduira à leur objectif légiféré. Dans un hadith authentique, sur lequel s'accordent tous les groupes et partis islamiques dans la théorie, mais dont ils divergent dans l'application et la conduite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة. Les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous en enfer, sauf un. On demanda lequel est-ce au messager d'Allah, il répondit, c'est le groupe. Ceci est la narration connue, mais il y en a une autre qui vient expliquer la première où le prophète alayhi sallam a dit, هِيَ الَّتِي عَلَى مَا أَنَا عَلِيهِ وَأَصْحَابِي. C'est qui le groupe, il a dit, c'est celui qui suit ma voie et celle de mes compagnons. Vous avez remarqué, il n'a pas dit seulement ma voie, il a dit celle de mes compagnons aussi. C'est la grande différence entre un salafi et quelqu'un qui n'est pas salafi. Quelqu'un qui n'est pas salafi, il peut te dire,
Moi, je suis le Coran et la Sunna. Et quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la salafia, il va dire, il dit, Masha'Allah, celui-là, Alhamdulillah, Kitab ou Sunna, Masha'Allah. Mais il a oublié que celui-là a dit une chose très grave. Pourquoi? Il n'a pas dit d'après la compréhension des salafs. Car il peut suivre le livre, le Coran et la Sunna, d'après la compréhension des Ash'arites, ou des Mu'tazilites, ou des Jahmites, ou des Rawafid, ou des Tablir, des frères musulmans, et comme ça. Donc, tu suis le Coran. On me dit qu'on m'entend. Vous m'entendez? Depuis quand? Donc, vous ne m'entendez pas. Depuis quand? C'est quoi la dernière chose que j'ai dite? Pour savoir d'où je dois reprendre. Est-ce que vous avez entendu le hadith des 73 groupes? Voilà, vous avez entendu le hadith des 73 et qu'il faut la compréhension des selfs. Vous avez entendu ça? Il faut la compréhension des selfs. Alhamdulillah, donc, je ne suis pas loin. Le shir dit, donc, un groupe sur soi sera sauvé comme l'ont stipulé les savants. Ce groupe sauvé est le seul. Donc, c'est la réponse à la question, comment faire pour que, yani, quels sont les fondements du progrès, de l'essor de la nation musulmane. Il a dit, ce groupe sauvé est le seul qui pourra faire connaître l'essor à la communauté islamique aujourd'hui et lui procurer le bonheur aux autres communautés qui ne suivent pas la voie de l'islam. Même aux autres communautés qui ne suivent pas la voie de l'islam, seul ce groupe, subhanallah al-adhim, peut yani, procurer le bonheur. Vous savez pourquoi? Exemple très simple. En islam, est-ce que par exemple, quand tu rencontres par exemple les chrétiens, tu es dans une ville, tu rencontres les chrétiens, est-ce que par exemple tu vas leur mettre des bombes et courir derrière eux pour les égorger, qu'on fait le shaitan de Baghdadi? Vous voyez que le groupe erroné, le groupe faux, le groupe des Mubtadia, le groupe qui n'est pas le vrai groupe, même s'il se dit musulman, il se dit je suis le Coran et la Sunna, mais c'est un faux groupe, il ne procure le bonheur ni aux musulmans, ni à ceux qui ne sont pas musulmans. Mais le vrai groupe, bonheur à qui? Aux musulmans d'abord, et aux autres qui vivent avec les musulmans. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient. Subhanallah al-Azim. C'est pas la peine de vous dire ce que fait maintenant Baghdadi et sa clique, ce qu'ils ont fait avec ceux qui ne sont pas musulmans. Al-Muhim, le cheikh dit, l'une des raisons est probablement que les musulmans, hélas, ne sont pas comme autrefois des prêcheurs par leurs actes. Il a dit, les prêts des gens. C'est vrai. Parler, dire Allah dit, son prophète a dit, non, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas les actes qui traduisent ce que tu es en train de dire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le groupe sauvé est un, de sorte que les musulmans connaissent sa description, car cet égarement impose qu'ils s'égarent dans la pratique. Il a répondu à la question, quel est le groupe qui sera sauvé parmi les 73 en disant, il a dit, c'est celui qui suit ma voie et celle de mes compagnons. Nous remarquons clairement ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de répondre en disant uniquement, c'est celui qui suit ma voie. Il ne s'est pas limité à cela en s'arrêtant à, c'est celui qui suit ma voie. Non. Il a ajouté ces mots, et celle de mes compagnons. C'est parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une seconde, salam alaykoum, je disais, nous remarquons clairement ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de répondre en disant uniquement, c'est celui qui suit ma voie. Il ne s'est pas limité à cela en s'arrêtant à, c'est celui qui suit ma voie. Non, il a ajouté ces mots, et celle de mes compagnons. Ma voix est celle de mes compagnons. C'est parce que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui ne fait aucun doute et ne pose aucun problème, sont ceux, les sahaba, sont ceux qui ont recueilli fraîchement la révélation par le biais du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec ces deux catégories qui sont le Coran et la Sunna. Ils l'ont appliqué de la meilleure des façons, puis l'ont transmise telle qu'ils l'ont comprise et appliquée à ceux qui leur ont succédé, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal ait suscité au sein des musulmans, qui rassemblera la Sunna, comme il a suscité pour les premières générations,
qui rassemblera le Saint-Coran entre deux planches. C'est ainsi que furent recueillies les deux révélations évoquées dans le Coran dans de nombreux versets, comme celui-ci où Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète et dit « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبِيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ » Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran, que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Nahl 44. Ce verset renferme un texte clair démontrant que l'explicitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose supplémentaire au Coran et que celui-ci est expliqué par ce biais. Naam. Il a dit, et vers toi nous avons fait descendre le Coran. Pourquoi ? Pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre. Ça veut dire pour que tu montres et expliques bien aux gens ce qu'on a fait descendre. Donc ça veut dire que personne n'a le droit de comprendre le Coran de lui-même. Une fois à la mosquée, j'ai vu quelqu'un ouvrir le livre du Coran. Quelqu'un peut-être qui est allé à l'école, peut-être qu'il n'a pas dépassé le primaire. Allah est le même vieux comme ça, et qu'en face de lui, et il lui expliquait le Coran. Il lisait, je me rappelle, je crois que c'était le Baqara. Il disait par exemple, Alif Lam Mim, voilà ce que ça veut dire, Allah, là, voilà ce que ça veut dire, et comme ça. Naam, mot à mot, il expliquait. Et Allah, ça m'a étonné. Et ensuite même, il est arrivé un passage où vraiment il a dit quelque chose de grave. Il est arrivé un passage où il a parlé de comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam, il a insufflé son âme en lui. Naam. On nafakha fihi min ruhi. Donc c'était pas le Baqara. On nafakha fihi min ruhi. Donc Allah ta'ala dit que il a insufflé de son âme en lui, en Adam. Notre traducteur, notre interprète du Coran, notre exégète, Ibn Kathir, rahimahullah, était dans notre mosquée, à Blida. Donc, Ibn Kathir, rahimahullah, donc, il lui a dit, tu vois, nous tous, on a en nous quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de son âme. Parce qu'Allah ta'ala lui a insufflé de son âme. Donc, l'âme d'Allah Azza wa Jalla se trouve en nous. Regarde-nous, les êtres humains, comment on a l'âme, yani, de Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit, subhanallah al-azim. C'est très grave. Très, très, très grave. Très, très, très grave. Donc, c'est la différence entre, yani, entre ce qui est créé et ce qui n'est pas créé. L'âme. Entre Sefa, l'âme, et entre le makhlouq. Car car ma yudaf illallah, ce qu'on dit que c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir si c'est quelque chose, naam, qui n'est pas créé, on va dire c'est une sefa. Et si c'est quelque chose qui est créé, on va dire c'est une création. Si maintenant Allah ta'ala dit yadullah, la main d'Allah n'est pas créée. On dit donc la main, c'est un attribut. Mais si on dit, par exemple, la maison d'Allah, en parlant de la maison, subhanallah al-adim, a été construite. Donc, c'est pas quelque chose qui n'a pas été créé. C'est pour ça qu'on peut pas dire sefa, c'est pas un attribut. Donc, on dit, Allah ta'ala, il y a lui-même, pourquoi? Pour montrer que, yani, que c'est quelque chose d'honorable. Naam. Al-Muhim. Ici, lorsque Allah ta'ala a dit son âme, il voulait dire quoi? Quelque chose pas créé, donc un attribut ou quelque chose qui est créé. Il veut dire quelque chose qui est créé. Allah Ta'ala a créé l'âme, comme il a créé les cieux et la terre, et comme il a créé le paradis et l'enfer. Donc, c'est pas quelque chose d'Allah Ta'ala en tant qu'attribut qu'on a en nous-mêmes. Mais on a quelque chose d'Allah Ta'ala a créé. Comme il a créé le corps, il a créé aussi l'âme. Alhamdoulilah, j'ai expliqué à cette personne, et cette personne est morte maintenant, que Allah Subhanahu wa Ta'ala lui pardonne. Al-Muhim, le Cheikh dit, c'est important ici ce qu'il va dire. Il a dit, ce verset renferme un texte clair démontrant que l'explicitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose supplémentaire au Coran et que celui-ci est par ce biais. L'expliquer est une chose et l'explication une autre. Naam. Qui est supplémentaire même si la source est la même. Naam. L'expliquer c'est quoi ici? C'est le Coran. Et l'explication, c'est autre chose. L'expliquer, c'est la parole d'Allah. Et l'explication, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut aussi cette chose.
d'expliquer lui-même ici qui est le Coran ne suffit pas. Pourquoi? Car tu vas le comprendre comme tu veux, toi. Prenons le même verset, moi je le comprends comme je veux, et toi tu le comprends comme tu veux. Soit suivant les passions, soit suivant le niveau que j'ai. Mon niveau est plus fort que toi, je comprends des choses que tu ne comprends pas. Et comme ça. Mais tout cela ne suffit pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ce qu'il a dit ici. La alfayinna ahadakum muttaki'an ala arikatih. Yaqul. Hada kitabullah. فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه الا اني اوتيت القران ومثله معه حديث اوثنتيك ابو داود 4605 والترمذي 2663 اوثنتيفي بار الشيخ الالباني رحمه الله كاديسي لو حديث très important très important il a dit que je ne trouve jamais attends ça veut dire attention hein il met en garde attention que je ne trouve jamais l'un de vous bien installé sur son divan, bien installé sur son divan, dire. Que dit cette personne? Bien installée sur le divan. Elle va dire, voici le livre d'Allah. Ce que nous y trouvons licite, nous le jugeons licite. Et ce que nous y trouvons illicite, nous le jugeons illicite. Hein? Tu peux avoir une divergence avec quelqu'un, ou avec ta mère, ou avec ton père, ou avec je ne sais qui, ton voisin, il va te dire, écoute. Voici le Coran là, tu le vois, il est entre mes mains. Allez, ouvrez, voyons. Ce qu'il y a de licite, c'est halal, ce qu'il y a haram, c'est haram, et ça s'arrête là. Mais le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir dit, voici le livre d'Allah, ce que nous y trouvons, licite, nous allons juger, ce que nous trouvons illicite, c'est illicite. Quand dit le hadith, il a dit, certes, j'ai reçu le Coran et son équivalent avec lui. Ça veut dire, ça ne suffit pas le Coran. Certes, j'ai reçu le Coran. Mais son équivalent avec lui. Son équivalent, c'est quoi? C'est quoi? C'est la sunna. Toi, tu n'as pas la sunna. Tu veux faire un débat seulement avec le Coran. Tu peux pas. C'est pas possible. Tu vas voir pourquoi. Un peu plus loin, vous allez voir pourquoi. Ensuite, le cheikh dit, on trouve dans un autre hadith, une autre version, « Ala inna ma harrama rasulullah, mitlu ma harrama Allah. » Certes, ce que le messager d'Allah a interdit, est semblable à ce qu'a interdit Allah. Tirmidhi 2664, Ibn Majah numéro 12, authentifié par Sheikh Al-Albani. Je répète, certes, ce que le messager d'Allah a interdit est semblable à ce qu'a interdit Allah Ta'ala. C'est la même chose. Si tu me dis Allah Ta'ala a interdit cette chose, et moi je te dis le prophète Islam a interdit aussi telle chose, ça veut dire que c'est la même chose. Tu ne peux pas me dire non. Je prends ce qu'a interdit Allah. C'est plus fort. Je te dis non. Je te dis non. Pourquoi? Car le hadith dit, j'ai reçu le Coran et son équivalent avec lui. L'islam a dit que la sunna était équivalente au Coran. Et il a dit, ce que le messager d'Allah a interdit est semblable à ce qu'a interdit Allah. Même chose, semblable. Voilà, barakallahu fik. Donc, et regardez ce qui m'a plu ici dans le hadith, si vous avez remarqué, peu s'en faut, ou bien, que je ne trouve jamais, qu'une personne vienne, ici chez moi c'est écrit, une personne bien installée sur son divan, ici dit, accoudée sur son divan et dise, vous avez remarqué celui qui dit comme ça, celui qui dit voici le Coran, etc. La plupart du temps, comment qu'il est? Accoudé sur un divan, masha'Allah, et il te dit, moi, alhamdoulilah, j'ai le Coran, ça me suffit. Ouais, accoudé, masha'Allah, avec un jus dans sa main, il te dit, moi, le Coran, ça me suffit, écoute. Voilà le Coran. Naam. Les hadiths, on sait, mais c'est peut-être faux, c'est peut-être ceci, peut-être c'est un oubli, peut-être ça. Mais le Coran, c'est sûr. Viens, on va prendre seulement le Coran. Comme ça, ils vont te dire. Le shikh dit, rahimahullah ta'ala, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal, comme il l'a déclaré dans le verset précédent, a révélé le Coran à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'a chargé de l'expliquer aux gens. Mais, il y a une chose supplémentaire indiquée dans la narration précédente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur le groupe sauvé, il a dit, c'est celui qui suit ma voix et celle de mes compagnons. Les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam sont cités dans ce hadith,
pour cette raison évoquée dans le verset. Quel verset? Et quiconque fait scission avec le messager, quiconque, c'est par là, fait dissidence au messager, c'est-à-dire contredit le messager, après que le droit chemin lui est apparu. Vous avez remarqué cette première condition. Voilà, cette première condition, il faut que le droit chemin lui est apparu. Hein? Pour ceux qui disent que Allah Ta'ala n'excuse pas avec le djihl. Avec l'ignorance, Allah n'excuse pas. Ignorant, tant pis pour toi. Alors que le verset, qu'est-ce qu'il a dit? Après que le droit chemin lui est apparu. Ça veut dire celui qui le droit chemin lui est apparu, ne lui est pas apparu, n'a pas le même jugement que celui qui le droit chemin lui est apparu et il veut contredire. Il y a une grande différence. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Essuie un sentier que celui des croyants. Écoutez le chéri, ce qu'il va dire. Il a dit, le Seigneur des mondes n'a pas dit, et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûlerons dans l'enfer. Non, il a plutôt ajouté un complément, et il a dit, et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit sentier que celui des croyants. Une autre condition. Naam, s'il suit un autre sentier que celui des croyants. Le shir dit, c'est comme si lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et celle de mes compagnons, naam, c'est-à-dire suit mon chemin, et la voie des compagnons, bien que ce ne soit pas une révélation directe émanant d'Allah, cela a été déduit du verset, lorsque Allah Ta'ala a dit, et quiconque fait scission avec le messager, après que Manu est apparu, et suit un autre sentier que celui des croyants. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle l'Azawjil a cité dans ce verset le sentier des croyants? Et pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam a-t-il inclus ses compagnons dans le hadith précédent? Lorsqu'il a dit, celui qui suit le groupe sauvé, celui qui suit ma voix et celle des compagnons. Pourquoi la voix des compagnons? Et si ce hadith et est cité aussi dans ce verset. Le cheikh dit, ces nobles compagnons, comme nous l'avons dit, sont ceux qui ont recueilli les deux révélations par le biais du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui les leur a expliquées directement sans intermédiaire, non pas comme c'est le cas pour ceux qui leur ont succédé, comme nous, etc. Cela ne fait aucun doute, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un célèbre hadith, il a dit, le témoin voit ce que la personne absente ne peut voir. Silsila Sahiha 1904. Le témoin, ça veut dire celui qui est présent, voit ce que la personne absente ne peut voir. Naam, shahid yara, ma la yara al-ghaib. Celui qui est présent, il voit ce que l'absent n'a pas vu ou ne peut pas voir. C'est pour ça que celui qui est présent et a vu la chose, yani, a plus raison que celui qui n'a pas vu. Moi, j'ai vu la chose, j'étais présent le jour de l'accident ou le jour du débat, etc. De connaissance que toi qui étais absent. C'est pourquoi la foi des compagnons était plus forte que celle de ceux qui leur ont succédé. Chose que le prophète Hassan souligne en disant dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Les meilleures personnes sont celles de ma génération, puis celles qui leur succèdent, puis celles qui leur succèdent. Les sahabas sont meilleurs que nous en mille et une choses. Entre autres, d'après le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui est présent voit ce que la personne absente ne peut voir. Eux, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont assisté à la révélation du Coran et de la sunna et leur explication. Alors que toi, on t'a transmis, c'est tout. Tu n'es pas présent. On n'était pas présents. Donc ils ont cet avantage d'être témoins, d'être présents lors de la révélation. C'est un grand atout. Naam, statut, d'être présent. Par conséquent, le musulman ne peut pas se contenter de comprendre le livre et la sunna de lui-même. Il doit les comprendre en revenant aux nobles compagnons qui ont recueilli cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a expliqué, tantôt par la parole, tantôt par l'acte, et par l'acquiescement, c'est-à-dire le consentement. Peut-être savez-vous,
Kulla se divise en trois parties. La parole, l'acte et l'acquiescement. Si quelqu'un se détourne de la sunna et désire se limiter à la compréhension du Coran en se contentant pour cela de la langue arabe, il ne pourra pas parvenir au sens visé par Allah, glorifié, exalté soit-il, dans ces versets. Beaucoup de gens croient que s'ils connaissent bien la langue arabe, ça leur suffit. Tu dis, j'ai même pas besoin de la sunna. Pourquoi ? Il te dit, le Coran est descendu en arabe. Fasiha, éloquente. Et moi, alhamdoulilah, j'ai un doctorat en langue arabe. Donc je peux bien comprendre ce qu'Allah a voulu dire. Celui-là, s'il pense comme ça, il est déjà égaré. Miskin, il est déjà égaré. Vous allez voir pourquoi. La meilleure preuve, regardez ce que dit le cheikh et voilà la réponse. Que quelqu'un qui connaît seulement l'arabe ne lui suffit pas, même s'il a quoi ? Même si c'est le plus grand docteur né en arabe. La meilleure preuve est qu'il y a des versets où certains termes précis se répètent, comme la main, par exemple, dans le verset du Taïmoum, et la main aussi dans la sentence appliquée au voleur. Lorsque Allah Ta'ala a parlé par exemple du Taïmoum, il a cité la main. Femsahou bi aydikum bi wujuhikum wa aydikum minha. Bi wujuhikum wa aydikum, c'était la main. Il a cité aussi la main. On trouve que de tels versets sont explicités par la sunna. Il n'est donc pas permis qu'on se limite à la compréhension d'un verset sans s'aider de la sunna du prophète sallam et cette catégorie que nous venons de citer. Yani, le parole, l'acte et l'acquiescement. Par exemple, le cheikh va donner un exemple. Il dit... Allah Ta'ala dit « وَسَرِقُوا وَسَرِقَتُوا فَقْتَعُوا اِدِيَهُمَا » Le voleur et la voleuse à tous deux couper la main. En arabe, lorsque le terme « yed » main est cité, on parle de la main comme on peut aussi désigner, c'est-à-dire la main jusqu'au poignet, ou bien la main jusqu'au coude par exemple, ou encore tout le bras jusqu'à l'épaule. Tout cela, ça s'appelle la main. Ça, toi tu as un mal au coude, tu dis j'ai mal à la main. Tu as mal un peu plus haut, un peu plus bas que les épaules, tu dis j'ai mal à la main. Tout ça c'est la main. Alors quand Allah Ta'ala a dit pour le taïmoum, essuyez avec vos visages et vos mains. Et pour le voleur, il a dit coupez leur mains. Qu'est-ce qu'on va couper ? On va couper jusqu'au coude ou bien jusqu'à l'épaule, on enlève tout le bras. Et la même chose pour le taïmoum. Quand il a dit, essuyez avec le taïmoum vos visages et vos mains. Alors, toi qui as le doctorat en arabe, explique-nous, barakallah, au fait qu'on a des problèmes. Moi, j'ai dit, le taïmoum, c'est jusqu'au poignet. Et mon frère a dit, c'est jusqu'au coude. Et mon épouse a dit, non, c'est jusqu'au bras. Alors, toi qui as le doctorat en arabe, est-ce que tu peux nous expliquer comment qu'on va faire? Tu as un doctorat en arabe, tu as dit ça suffit, l'arabe me suffit. Explique-nous, la main chez les arabes, c'est jusqu'au poignet, jusqu'au coude et jusqu'à l'épaule. Alors comment qu'on va faire? Voilà, quelqu'un maintenant vient de voler. Où est-ce qu'on lui coupe? Alors donne-nous la sentence, vous allez voir s'il peut. Le cheikh dit, naam. Aussi pour le terme sariq, le voleur, ça englobe tout voleur, quel que soit le montant de son vol, que ce soit grand ou petit, voire insignifiant. Donc, dans le premier, le deuxième, le dernier cas, il faut absolument revenir à la sunna et ces trois catégories. Naam, le voleur, Allah Ta'ala dit, le voleur et la voleuse, coupez-leur leurs mains. Alors toi qui as le doctorat en arabe, explique-nous ici, où est-ce qu'on va couper la main, premièrement. Et deuxièmement, il a dit le voleur, tout voleur. Donc, est-ce que celui qui a volé, 50 centimes, on lui coupe la main ou pas? Et celui qui a volé 1 euro, et 2 euros, et 3, et on commence à monter. Montre-nous quand est-ce qu'on coupe, quand est-ce qu'on coupe pas.
Et celui qui a volé une date, il s'appelle toujours voleur. On lui dit, voleur, va. Pourquoi tu as volé la date, une date? Celui-là, est-ce qu'on lui coupe la main ou pas? Et celui qui a volé moins que la date, c'est pas un grain de raisin. On lui coupe la main ou pas? C'est un voleur. Non. Donc, il n'aura pas de réponse. Il n'aura pas de réponse. La même chose, l'exemple dit, l'exemple le plus clair pour les savants est celui de la prière qui nous a été imposée dans le Saint-Coran, le pèlerinage, le jeûne et la zakat. Absolument personne n'est capable de comprendre la modalité de ces piliers qui nous ont été imposés dans le Coran, sauf par le biais de l'éclaircissement fourni par le messager sallallahu alayhi wa sallam, par sa parole, son acte et son acquiescement. Naam. Et son acquiescement. Personne ne peut nous dire Salat al-Dhuhr, c'est combien de rak'at s'il ne revient pas à la sunna. Personne ne peut nous dire pour le Hajj combien qu'on doit tourner autour de la Kaaba. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois ou là une fois s'il ne revient pas à la sunna. Et ensuite, il ne pourra pas nous dire si, quand on va tourner autour de la Kaaba, on met la Kaaba à notre gauche ou bien à notre droite. Il ne pourra pas dire s'il ne connaît pas la sunna. Et la même chose pour la zakat. Est-ce qu'il peut nous dire, est-ce que par exemple, les chevaux, ça a une zakat ou pas? Il ne pourra pas dire s'il ne connaît pas la sunna. Non, les vaches, ça a une zakat ou pas? Il ne sait pas. Les moutons, ça a une zakat ou pas? Il ne sait pas. Les lapins, j'ai 100 lapins à la maison. Il y a la zakat pour les lapins ou il n'y a pas? Il ne sait pas. Ensuite, s'il dit je sais, oui, je sais, il y a, d'accord. Combien qu'il faut de lapins pour donner la zakat? 40, 30, 50. Et est-ce qu'il faut qu'il soit des mâles ou des femelles? Il ne sait pas. Et comme ça, mille et une choses sur la zakat, il ne peut pas savoir. La zakat de l'or, la zakat du métal, d'argent, la zakat de la marchandise, la zakat, est-ce qu'il y a dans le miel? La zakat du blé, la zakat des, comment ça s'appelle, des fruits, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas? Et comme ça, mille et une choses, il n'aura aucune réponse. Il n'aura aucune réponse. Il ne pourra pas. Sauf s'il invente sa tête. Sauf il invente. Le plus heureux de nous, c'est celui qui, alhamdoulilah, connaît quoi? Connaît les deux. Le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Naam. Taïeb, maintenant, si par exemple, on te disait, tu choisis une des deux choses, naam, ou bien tu vas apprendre tout le Coran, ou bien tu vas apprendre toute la Sunna. Mais tu c'est pas possible de joindre entre les deux. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu dis, il n'y a pas d'autre solution. On va te laisser, on va te donner ou bien le Coran, tu vas l'apprendre, voilà le Coran devant toi, mais on t'interdit d'apprendre la Sunna. Ou bien, tiens, voilà tous les livres de la Sunna expliqués avec leur explication, mais pas de Coran. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tayyib, je pose la question à Mahmoud, tu es avec nous. Qu'est-ce que tu choisirais, Mahmoud? Tu es avec nous. Qu'est-ce que tu choisirais? On ne t'a pas donné le choix. Le meilleur serait de les comprendre, de les apprendre les deux. Mais on t'a fait choisir ici seulement une. Mahmoud n'est pas avec nous. Ibn Jazayri, qu'est-ce que tu choisirais? Ibn Jazayri, qu'est-ce que tu choisirais? Coran. Tayyib, il choisirait le Coran. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va apprendre seulement des choses, il va apprendre des versets, mashallah, mais il ne connaît rien de la charia. Donc, il ne pourra jamais adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il ne connaît rien. Il connaît comme ça des choses qui ne sont pas explicites. Là, il dit la zakat, donnez, faites la zakat, le voleur coupez-lui la main. Et oui, j'ai bien dit entre Coran et Hadith, tu n'as pas le choix. On te dit ou bien tu apprends le Coran ou bien tu apprends la Sunna. Il y a pas, tu peux pas joindre entre les deux. La Sunna, voilà, la Sunna, naam. C'est pour ça que l'imam, enfin, naam, c'est ça la Sunna. C'est pour ça que Ibn Hazm, rahimahullah, un grand savant du madhab Dahiri. J'ai dit avec Sharh. J'ai bien dit Hadith avec Sharh. Naam, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que Ibn Hazm a dit dans son livre Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Un livre dans Usul Fiqh. Il y en a 2 tomes vraiment de 600 ou 700 pages. Mais, mashallah, qu'est-ce qu'il a dit?
معليش ما فيش مشكل ما فيش مشكل. Il a dit quoi? Il a dit si jamais, si jamais quelqu'un va chez un savant et lui pose une question et le savant lui répond, je donne un exemple, et lui dit par exemple c'est halal telle chose. Non, je, par exemple là, je vais chez un savant, je lui dis que pensez-vous de la gélatine? Il me dit c'est permis. Je lui dis donne-moi un dadil. Il me récite un verset. Par exemple, ou la adilu fima, et il continue le verset. Tayyib. Il a dit ensuite, tu vas chez un deuxième savant. Peut-être ton cœur n'est pas apaisé. Tu lui dis que pensez-vous de la gélatine? C'est un exemple, c'est tout. Hein? Il te dit c'est haram. C'est-à-dire c'est le contraire de ce qu'a dit le premier. Tu lui dis c'est quoi le dalil? Il te cite un hadith. Il te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose et le hadith est authentique. Dans ce cas, de qui devons-nous prendre? De celui qui a cité le verset ou celui qui a cité le hadith? Maintenant la question est posée à Fawzi. Fawzi, de qui vais-je prendre? Celui qui m'a cité un verset ou celui qui m'a cité un hadith? Si c'est pas Fawzi ibn Jazairi, est-ce que tu as la réponse? Mahmoud le verset, Fawzi le verset, ibn Jazairi le verset. Réponse, je prends celui qui m'a donné le hadith. Je prends de celui qui m'a donné le hadith, pas le verset. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est impossible qu'il contredise le Coran. Vous avez compris? Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est possible qu'il dise quelque chose qui va à l'encontre du Coran? C'est impossible. Donc, celui qui a cité le verset, c'est lui qui s'est trompé. Il ne sait pas qu'il y a une sunna qui a abrogé le verset, ou bien une sunna qui a expliqué le verset. Vous l'avez compris? Non, mais le hadith peut être avant la révélation. Oui, et la révélation peut être aussi avant le hadith. La révélation peut être aussi avant le hadith. Donc, ici, c'est pour dire quoi? Pour dire que c'est impossible que quelqu'un puisse comprendre le Coran tout seul. C'est impossible. Et, qaddar Allah, nous, on avait quelqu'un dans la famille, c'est dommage. Je ne l'ai su que quelques temps avant de mourir, subhanallah. Mais on m'a dit aussi qu'il n'acceptait pas, qaddar Allah, il n'acceptait pas, comment dirais-je, il n'acceptait pas le débat, etc. On avait quelqu'un qui était yani, coranique. Il a dit, naam, la sunna n'a rien à voir avec le din. Il a dit, le Coran suffit. Naam. Quelqu'un de ma famille me l'a dit. Il m'a dit, X des gens de ma famille aussi dit comme ça. Je lui ai dit, si tu as essayé de lui expliquer, il m'a dit, non, il n'accepte pas. Non, il n'accepte pas. Il dit, le Coran, ça suffit. Naam, le Coran, ça suffit. Certes, Mohammed, c'est un prophète, ça. Mais le Coran suffit, il y a tout dans le Coran. Al-Muhim, le cheikh dit, je crois qu'on a pris beaucoup de temps. Attendez, je vais voir combien il reste de pages. Oh, il reste beaucoup. Je vais lire juste un peu et m'arrêter. On laisse l'autre moitié pour le prochain cours, inshallah ta'ala. Le cheikh dit, il reste un autre point pour clore cette réponse. Ce que les compagnons ont recueilli pour nous, des paroles du prophète, al-Islam, de ses actes et de ses amants, nous le connaissons, nous ne le connaissons pas par le biais du Coran. Il a dit, nous ne connaissons pas par le biais du Coran qui a été transmis par voie notoire comme on le sait, mais par le biais de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les consentements, qui est de voir une chose et de l'accepter, ne sont que connus par la transmission compagnon et non par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc primordial d'inclure dans le prêche du livre et de la sunna ce que nous disons toujours en pareille circonstance, la voix des pieux prédécesseurs. Mettons ainsi en application les versets et hadiths qui ont précédé, notamment lorsque Allah Azza wa Jalla cite le sentier des croyants. Et quand Allah cite ses compagnons, c'est pour une sagesse
à savoir revenir à la préhension du livre et de la sunna selon la voie des premiers, des primes anciens, c'est-à-dire les purs prédécesseurs, les compagnons. Naam. Tayyip, on va s'arrêter, inshallah ta'ala, ici, et il reste la moitié du cours. On la laisse, inshallah ta'ala, pour très bientôt, bi'idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Première question. Question qui demande, question sur le cours. J'ai entendu un cours, le frère a cité un verset de Cheikh Al-Hakami concernant les preuves, le Coran, la Sunna, le Ijma', le Qiyas. Expliquez-nous plus, en plus détaillé, qui sont le Ijma et qui ou quelle génération il représente et sa définition, et aussi le Qiyas, qu'est-ce que ça veut dire. Barakallahu fik cher, tafaddal. Donc, marhamarahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Al-Sunna al-Jama'a, comme vous savez, se base pour argumenter les choses et donner des preuves. Le Coran, la Sunna, il n'y a aucune divergence. Ensuite, l'ijma, le consensus. En général, le consensus, c'est le consensus des savants de l'époque dans laquelle yani, on vit. Mais dans ce consensus-là, des savants de l'époque où on vit, il y a aussi une grande divergence. C'est pourquoi yani, même l'imam Ahmed, rahimahullah, quand on lui a dit ijma, il a dit quel ijma? Il a dit d'où sais-tu qui se sont tous rencontrés. D'où sais-tu ça? C'est très difficile de dire que donc tous les savants se sont rencontrés et sont unanimes pour cette chose. Bien que de nos jours c'est plus ou moins facile, surtout avec ce qu'il y a comme moyen d'internet, etc. Mais imagine autrefois, il y a 200 ans, 300, 400, 500, comment yani, tous les savants se sont réunis yani, et ont été unanimes pour dire une chose. C'est pour cela que les savants, quand ils parlent d'ijma', ou bien, ils parlent de ijma' des sahaba, de le plus fort et le plus sûr, à la fois des compagnons. Quant au deuxième ijma', celui dont on parle des savants, ils disent, il n'y a pas une preuve formelle, mais même en parlant maintenant de l'ijma' des sahaba, et encore, les sahaba après la mort du prophète Islam se sont séparés, chacun où il est parti habiter. Ils ont dit c'est pour ça que si on va dire ijma, on va dire ijma des sahaba, et encore on va dire ijma soukouti. C'est-à-dire que c'est pas obligé que tous les sahaba se sont rencontrés dans un endroit et se sont mis unanimement d'accord sur une chose, mais on va dire soukouti, c'est-à-dire si savant, un sahabi par exemple, Naam, connu, qu'il a de la science, a parlé dans une chose, les autres ne l'ont pas contrarié. Il a dit, si les autres ne l'ont pas contrarié, on va dire cet ijma suffit. Ce consensus afwan, suffit bi'idhnillahi ta'ala. Quant à l'analogie, le qiyas, c'est quoi? C'est, yani, comme on dit en arabe, ilhaqu mansousin, ilhaqu مسكوت عنه بمنصوص عليه لاشتراك في العلة اشتراك في العلة. L'analogie c'est quoi? Le qiyas. Bon, il y a plusieurs sortes de qiyas, mais on parle du qiyas yani qui est hujja ou pas hujja. Tu as quelque chose qui a un jugement et toi maintenant tu vas essayer de donner un jugement à une chose qui n'a pas de jugement en te basant sur une chose qui a un jugement, en faisant quoi? En faisant, yani, disons, similitude entre les deux choses, à cause de quoi? À cause qu'ils ont la même idla, c'est-à-dire la même cause. Je donne un exemple pour que vous compreniez un peu. Maintenant, la drogue. La drogue, c'est pas cité dans le Coran ni dans le hadith. Comment je vais faire pour savoir quel est son jugement? Je vais voir maintenant que l'alcool,
Le khamr, le vin, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ça a quoi? Ça a un jugement. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool. C'est dans le Coran, ça. Et aussi dans la sunna. Maintenant, je voudrais avoir un jugement sur la drogue qui n'est pas citée, en me basant sur quelque chose qui est cité, qui est l'alcool. Pourquoi? Pourquoi je vais affilier la drogue à l'alcool? Pourquoi? Parce qu'ils ont une similitude et quelque chose de semblable. C'est quoi? C'est la cause. Naam. Allah Ta'ala interdit l'alcool à cause de quoi? À cause de ça rend ivre. Et subhanallah, la drogue, c'est la même chose. Quand quelqu'un fume la drogue, naam, il perd la raison. Ensuite, il sait plus ce qu'il. Donc, yani, je vais dire que la drogue est haram. Pourquoi? Parce que l'alcool est haram. Donc, puisqu'ils ont la même cause, l'illa, qui est quoi? Qui est ça enivre, naam, et ça sou. Et puisque le haram, l'alcool, son jugement, c'est le haram, donc la drogue doit avoir le même jugement que c'est haram. J'ai pris ça de quoi? Par qiyas, par analogie. Alors que ce n'est pas cité dans le Coran, la drogue n'est pas citée. Donc l'analogie, c'est quoi? C'est, yani, un tulhiqa, maskoutin alayhi, bimansousin alayhi, li'illatin baynahouma, l'ishtirak fil illa. C'est que tu dises et donnes un jugement sur quelque chose qui n'a pas été cité, en l'affiliant à une chose qui a été citée, à cause de quoi? À cause de la ressemblance dans la cause. Wallahu ta'ala a'lam. Bien sûr, je vais dire, quelqu'un peut dire, la drogue, son jugement, ce n'est pas par analogie. Son jugement, c'est aussi dans le Coran. Pourquoi? Ou alors dans le hadith qui a dit que kullu muskir khamr, wa kullu khamr haram. Toute chose qui est enivre, toute chose qui saoule, c'est de l'alcool. Khamr. Et tout alcool est haram. Quelqu'un peut... Alhamdoulilah, j'ai un hadith clair. Pour l'analogie, il faudrait donner un autre exemple. Naam. Tfadlak. Allah wa salatu wa salam ala rasulillah. Apparemment, Mahmoud a un problème avec son ordinateur, donc en attendant qu'il revienne, je vais poser la question suivante, cher. C'est la deuxième question d'une sœur qui dit... Cheikh, donnez-moi votre avis sur la parole ou définition suivante. Le mot nefs signifie âme. Il est différent du mot roh qui signifie souffle vital ou esprit. La vie des êtres ne serait que la projection de l'âme divine dans le corps matériel. Elle est donc d'essence divine. Je reprends. Le mot nefs signifie âme. Il est différent du mot roh qui signifie souffle vital ou esprit. La vie des êtres ne serait que la projection de l'âme divine dans le corps matériel. Elle est donc d'essence divine. Fin de citation. Sœur dit, je trouve personnellement que cette définition dangereuse quand l'auteur écrit qu'elle est d'essence divine. Je ne sais pas si l'auteur parle ici de la vie ou de l'âme. Ça ne change rien du fait qu'il ait dit que l'âme ou la vie est d'essence divine. Qu'en pensez-vous, cher? Ça aurait été plus clair pour moi si c'était en arabe. Enfin, vous savez que il y a une divergence entre les savants pour quelle est la différence entre nefs ou roh. Nefs et roh. Naam. Quelle est la différence entre les deux? Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Taymiyyah, naam, surtout, ont beaucoup parlé de cela et ont essayé de montrer yani, s'il y avait une différence et si oui, c'est quoi. Sinon, certains ont dit qu'il n'y avait pas de différence, que roh c'est neuf, c'est roh. Mais certains ont fait et ont montré une petite différence en ce sens que ils ont dit roh, l'âme. C'est la chose avec laquelle on vit, que Allah Ta'ala a créé en nous et qui, lorsqu'il envoie l'ange de la mort pour la prendre, la personne ne sera morte. Ne vivra plus. Ça s'appelle roh. Ils ont dit quand on nefs, nefs, c'est plutôt la chose qui avec laquelle yani, tu prends des âmes. Et
tu annules des décisions, tu réfléchis, et comme ça. Ils ont dit, c'est pas la chose avec laquelle on t'enlève. Tu meurs, ils ont dit ça, c'est plutôt ruh. Mais nafs, c'est plutôt, yani, ce qu'il y a en toi et ce que tu fais de bien ou ce qui te pousse à faire le bien, ce qui te pousse à faire le mal. Comme lorsqu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Nafs, c'est ce qui te pousse à faire le fujur, la perversité, ou alors ce qui te pousse à faire la piété. Quant à ruh, c'est la chose avec laquelle tu vis. Et si jamais Allah ta'ala envoie l'ange de la mort, il te la prend, tu meurs. Donc maintenant, quand c'est comme ça en France, il a dit des sens divines, peut-être qu'il veut dire que ruh min amri rabbi, comme on dit dans le Coran. Is'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi, wa ma utitu min 'ilmi illa qalila. Si on te demande sur ruh, tu dis que yani ça c'est quelque chose qui vient d'Allah, car ruh, non, c'est quelque chose qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et qui yani vraiment personne ne peut connaître. Yani sans yani vraiment comment qu'elle a été créée et comment elle peut être créée, et c'est une chose qui n'a pas de fin. Depuis que Allah Ta'ala a créé par exemple ton âme, rohak, ça restera yani éternellement. Non, depuis que Allah Ta'ala l'a créée, elle est dans ton corps, ensuite elle sera prise de ton corps pour être éternellement en enfer ou éternellement au paradis. Wallahu ta'ala alam. Donc c'est un peu difficile de parler en ce sens, surtout quand c'est en français. Tfadl. Jazakallahu khairan ya cheikh. Donc tout à l'heure, vous cherchiez quelqu'un pour pouvoir répondre au téléphone et pour pouvoir passer la communication. Mais moi, je connais quelqu'un qui peut vous rendre ce service. Et c'est Oumar Abdillah. Et dites-vous que c'est garanti, il n'y aura pas beaucoup de monde qui va vous déranger pour des questions de divorce et ça sera vite réglé, je pense. Donc, Inch'Allah, nous allons passer à la prochaine question. Question d'un frère. Ce moment, Abdillah, c'est une femme. Et la femme aime parler dans le divorce et le khola. Donc, c'est pour ça que ça n'arrange rien. Elle va tomber avec une femme qui va lui pleurer. Et orti, je suis divorcée. Et ceci, cela, et mon mari, ceci. Ah, là, elle va pleurer elle aussi. Ah, je vais la voir pleurer, je vais pleurer moi aussi, je vais répondre. Tu vois? Donc, voilà. Elle, celle qui pose la question, va pleurer, ma femme va pleurer, moi je vais pleurer et je vais répondre. Donc, il vaut mieux chercher autre chose, Inch'Allah ta'ala. Voilà, c'est Inch'Allah. Donc, il vaut mieux pas avoir Oumar Abdillah. Donc, Inch'Allah, on va passer à la prochaine question. Une question d'un frère qui dit, tout à l'heure, le cheikh a dit qu'il fallait préférer une preuve tirée de la sunna plutôt que celle du Coran, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait pas aller à l'encontre de la parole d'Allah. Et un frère a répondu que le hadith pouvait venir avant une révélation. Dans ce cas-là, quelle preuve doit-on prendre? Ne doit-on pas prendre celle qui nous convainc le plus? Tfadl le cheikh. Je crois que c'est par rapport en plus à ce que a dit Ibn Muhammad. Non, dans ce cas, on ne doit pas prendre de ce qui nous convainc. C'est pas question de conviction ici, mais condition, mais plutôt, on doit voir lequel des deux, non, lequel des deux, avant de voir lequel des deux est venu pour essayer de passer à l'abrogation, non, avant d'arriver à cette étape, il faut voir d'abord s'il y a contradiction apparente entre les deux. Car si on peut joindre entre le Coran et le Hadith, donc, il n'y a pas de problème. Mais si jamais maintenant, apparemment, il y a une contradiction, et il n'y a jamais de contradiction entre le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la contradiction se trouve dans notre tête, dans ce cas, on va essayer d'abord de joindre, de voir comment faire le tawfiq, entre le Coran et la Sunna. Si on ne peut pas, on va voir, yani, si on connaît la date de la révélation, pour voir qui est le premier, qui est le dernier, qui est venu ensuite. Car le dernier abroge le premier. Donc, mais on ne peut pas
passer directement, comme a dit le frère, on va voir ce qui nous convient. Non, on ne peut pas. Mais il faut d'abord essayer de joindre entre les deux avant de passer à l'étape, mais voir quel est le premier, quel est le dernier, pour voir quel est l'abrogé de l'abrogeant. Non, très bien.